Depuis l'année dernière, les citoyens de la baie de Péré mènent des démarches auprès des autorités communales de Garambé pour que Guy Copresse, qui exploite une carrière de latérite dans leur district, répare leur piste rurale, devenue aujourd'hui impraticable avec les averses de la saison. Dans un premier temps, nous étions venus les rencontrer, faire un plaidoyer afin qu'on puisse réaliser ces travaux de reprofilage de cette route que Guy Copresse nous avait promis en connivence avec la commune. Ils ont pris un engagement qu'ils vont faire 1 km 200 de cette route. Aujourd'hui, la route est bloquée. Dans cette affaire, l'actuelle équipe du conseil communal de Garambé et le président du conseil de district de la baie de Péré sont soupçonnés de ne pas vouloir privilégier la réparation de la piste rurale du district abritant la carrière de latérite à la taxe que Guy Copresse doit verser à la collectivité. Les taxes qu'on les paye comme ça, là, c'est exploité dans notre territoire. Est-ce que vous jugez ça, c'est normal? Hein? Parce que si Guy Copresse n'exploite pas de la terre là, ils ne vont jamais payer les taxes à la commune. Face à ce soulèvement populaire, les autorités communales de Garambé ont manqué d'arguments et n'ont pas dit grand-chose pour leur propre défense. Je suis vraiment réconforté et édifié à la fois. Je ne peux pas interpréter ça. Moi, je dirais seulement que, en tout cas, je suis édifié. Je suis édifié. Ça a été vraiment une leçon. Une leçon pour moi. Malgré toutes les promesses faites par le maire de la commune rurale de Garambé à la population de la baie de Péré, la rencontre de concertation avec une commission restreinte des manifestants, initialement prévue pour le mardi, n'a malheureusement pas eu lieu encore.